croisé des chemins. Il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non. Quand tout le monde dit oui, alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la mort, à la vie, évolution ou création? C'est là autant de questions. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, oui, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qui doit suivre. Oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qui doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu et ton envoyé. Toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Pour commencer notre rencontre de ce soir, je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, au verset 6. Il nous est dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ceux qui sont nés dans des familles adventistes ont pour la plupart grandi à une époque que certains, y compris malheureusement
des gens qui faisaient alors partie de l'Église considèrent aujourd'hui comme des années de confusion. Pourquoi cela? Ils considèrent une bonne partie des enseignements et des pratiques de notre Église dans les années 1950-1960, à la fois en termes de théologie et de style de vie, comme trop simpliste, trop légaliste ou carrément faux. Par exemple, ils affirment que durant notre jeunesse, on nous a inculqué que le salut s'obtenait grâce à nos actions et pas grâce à la personne que nous connaissions. En plus, du fait que nous nous considérions comme le reste décrit dans Apocalypse 12 et que nous croyions que nous avions un message unique pour les temps de la fin, message qui se trouve dans Apocalypse 14, et que nous devions partager avec le monde avant le retour du Christ, ils prétendent que l'Église dans laquelle nous avons grandi était suffisante, égocentrique et intolérante. En outre, selon l'opinion de ces arbitres autoproclamés, des faits, ou du moins de ce qu'ils considèrent comme tels, hein, nous étions au pire gravés d'Ellen White, ou au mieux, elle était élevée au rang de juge ultime de tout ce qui concernait l'adventisme. Et la litanie de critiques se poursuit indéfiniment. Critiques sur la façon dont l'Église nous a traités ou maltraités. Par conséquent, nombreux sont ceux qui, dans la génération qui arrive, sont persuadés que les choses se sont vraiment passées ainsi. Le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement ceux qui sont à l'extérieur de l'Église qui disent de telles choses. Certains membres et même des employés de l'Église ont le même regard sur l'histoire récente de notre Église. Malheureusement, pour certains, c'est peut-être le cas. C'est vraiment l'adventiste qu'ils ont connu. Mais heureusement, ceux qui ont vécu à cette époque ne la voient pas tous de cette manière. Alors, au risque d'être considéré comme quelqu'un soit de naïf, soit d'endoctriné, je veux, pour la postérité, dire pourquoi je suis heureux d'avoir grandi dans l'Église adventiste durant ces années. Au lieu de me focaliser sur les problèmes, je veux célébrer l'adventisme. Je veux partager certaines des raisons qui font que je me sens béni, oui, béni d'avoir grandi en étant adventiste lors de cette soi-disant époque de confusion légaliste pour certains. Avant de partager mes raisons, je voudrais dire que je suis un pur produit de mon Église. Je suis né adventiste du septième jour. J'ai grandi adventiste du septième jour. J'ai fréquenté l'école du sabbat de l'Église. J'ai fréquenté le club des éclaireurs. Un jour, j'ai donné mon cœur à Jésus et j'ai décidé que je voulais passer ma vie, oui, toute ma vie à le servir. En bref, ma conversion et ma marche avec Jésus sont directement liées à mon éducation adventiste. Grâce à l'amour de Dieu qui m'ont montré, que toutes ces personnes m'ont montré, cet amour que Dieu donne à chacun, les pasteurs, les moniteurs de l'école du sabbat, les membres d'église, les anciens, ils m'ont tous donné cette volonté, cette joie d'être adventiste du septième jour. À présent, laissez-moi énumérer 10 raisons, oui, 10 raisons en ce soir que je vais énumérer pour lesquelles non seulement je suis content d'être adventiste du septième jour, mais je suis encore plus content d'avoir grandi dans l'Église à ce moment-là. Commençons par la Bible. Premier point, le respect pour la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Je suis heureux de ce que l'Église m'ait appris à mettre la Bible en avant. Il est vrai que les choses étaient plus simples à l'époque, c'est vrai. Nous utilisions à peu près tous la même version de la Bible.
Cela contribuait à l'unité dans l'Église. J'appréciais différentes versions, mais cette prolifération de versions a causé malheureusement quelques problèmes. Quand j'ai grandi, les versets à mémoriser à l'école du sabbat et les textes bibliques au club des éclaireurs étaient encore là pour être appris et vécus. À l'école du sabbat, nous avions des quiz bibliques, en général garçons contre filles. La plupart du temps, nous perdions contre les filles, il faut le dire. Mais des faits bibliques que j'utilise encore aujourd'hui se sont alors gravés dans mon esprit. Au risque de paraître très démodé pour certains et légaliste pour d'autres, laissez-moi préciser une autre chose qu'on m'a inculquée à l'école du sabbat. Mon Église m'a appris qu'on ne doit jamais rien poser par-dessus une Bible. Pour moi, cela voulait dire que la Bible était toujours une catégorie à elle toute seule. Je sais que beaucoup prétendent aujourd'hui que les écrits d'Ellen White étaient souvent considérés comme supérieurs à la Bible. Mais personne ne m'a jamais dit de ne rien poser par-dessus les livres d'Ellen G. White. Mon Église m'a plutôt enseigné, même quand j'étais un enfant, que la parole de Dieu était toujours prédominante. Et pour cela, je serai à jamais, oui, à jamais reconnaissant. J'ajoute que mon Église m'a également appris des chants qui renforcent l'importance de la Bible. Dans mon esprit, c'est probablement à l'école du sabbat que j'ai appris ce petit chant que vous connaissez bien, la B-I-B-L-E. Oui, et nous avons des chants de notre hymne louange qui mettent en valeur la parole de Dieu. Par exemple, le chant « Livre sacré, lumière étincelante » qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, au céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. Nous allons prendre 30 secondes pour prier et remercier Dieu pour ce magnifique livre qu'il nous a donné. Inclinons la tête. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole que nous a donnée, cette Bible. Permets que nous puissions vraiment l'étudier, la fouiller, connaître tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, afin de renforcer notre foi et partager avec tous nos amis, tous nos frères et sœurs, cette parole, et qu'ensemble nous soyons pleinement unis par ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Maintenant, passons à ma deuxième raison. Le proche retour du Christ. Oui, je suis heureux car quand j'ai grandi dans l'Église, on avait le sentiment de l'urgence du retour de Christ. Mes enseignants, mes moniteurs m'ont enseigné que Jésus revenait et qu'il revenait bientôt, très bientôt. Ils ne savaient pas quand, mais ils étaient convaincus que c'était bientôt, oui, très bientôt. Les plans à long terme pour notre Église, pour l'école ou pour ma famille étaient toujours tempérés par cette pensée. Si Jésus n'est pas revenu d'ici là. Tout comme moi, beaucoup se souviennent sûrement qu'ils se demandaient si on aurait le temps de devenir adulte et de se marier avant qu'ils ne reviennent. Certains rient rétrospectivement de la naïveté des gens, mais je suis reconnaissant d'avoir été élevé par une Église qui était impatiente de voir le retour de Jésus et qui croyait que cela arriverait de mon vivant. Après 20 ans de mariage, jusqu'à aujourd'hui, j'attends le retour de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, l'influence de cette croyance m'a évité de trop m'installer dans la vie
et de me laisser charmer par ce monde et ses attraits. On m'a clairement enseigné qu'il y a quelque part un endroit meilleur pour moi et que Jésus a prévu de revenir bientôt pour m'y emmener. Pardon. Cette foi m'aide à maintenir mes biens terrestres dans une juste perspective. Je suis pourtant d'une nature à accumuler, mais je sais aussi pertinemment que tout sera détruit quand Jésus reviendra. Et cela m'aide à trouver le juste équilibre quant à la valeur des choses terrestres comparées aux réalités éternelles. Il y a un chant, des paroles qui m'ont touché durant mes études à l'école du sabbat et qui ont renforcé cet enseignement de mon église sur l'imminence du départ vers mon foyer céleste. Et ce chant dit, au-delà des montagnes de la terre promise, se trouve la sainte cité bâtie par la main de Dieu. Ne pas fatiguer arrive à la crête de la montagne et nous pouvons voir notre patrie de repos éternel. Nous approchons de la maison. Voyez la splendeur qui étincelle depuis les dômes au loin. Voyez la gloire qui coule des portes entrouvertes. Nous y entrerons bientôt pour ne plus jamais errer. Entendez les anges chanter. Nous approchons de la maison. Il m'arrive encore souvent de dire, concernant des projets à long terme, faisons telle ou telle chose si Jésus n'est pas revenu avant, ou si nous sommes encore là. Cependant, au fil des années, je me suis également approprié une partie de la pensée de William Miller. Voici l'une de ses célèbres déclarations faites peu après la grande déception du 22 octobre 1844. Et il dit, « J'ai l'esprit fixé sur un autre temps, et ici je veux me tenir debout jusqu'à ce que Dieu me donne plus de lumière, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il vienne. » Récemment, une citation a également influencé ma façon de penser à la proximité du retour de Christ. Elle est tirée d'une lettre que Miller écrivit à un ami quelques mois auparavant. Cette fois après la déception du printemps 1844. Elle ajoute à ma prise de conscience qui m'impose de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Laissez-moi vous donner le contexte de cette déclaration de Miller. Si vous pouviez remonter dans le temps et lire n'importe quel journal imprimé après la date estimée du retour de Jésus au printemps 1844, c'est également valable pour ceux imprimés après le 22 octobre. Vous trouveriez des journaux pleins de moqueries, non seulement à l'égard des Millerites en général, mais notamment pour William Miller lui-même. Il a été un objet de mépris dans les journaux, que ce soit dans les éditoriaux ou dans les histoires calomnieuses imprimées sur lui et ses disciples. Il a été la cible de blagues que les gens se racontaient dans tout le pays. Il a subi des attaques verbales dirigées depuis certaines chaires très courues de l'époque. En bref, si quiconque avait le droit, humainement parlant, d'en vouloir à Dieu, du fait que Jésus n'était pas revenu comme on s'y attendait, c'était bien William Miller. Mais lisez plutôt ce qu'il a écrit à Elon Galucha le 5 avril 1844, quelques semaines à peine après la date du 21 mars, date que Miller pensait coïncider avec la fin des 2300 années de la prophétie de Daniel 8, verset 14. Après avoir mentionné toutes les injures dont on l'accablait, et après avoir dit à son ami de ne t'inquiète pas pour moi, Miller décrit ensuite pourquoi Galucha ne devait pas s'inquiéter à son sujet. Écoutez bien. Pourquoi donc devrais-je me plaindre si Dieu donne quelques jours ou même quelques mois de plus de temps de probation pour que quelques-uns trouvent le salut? C'est la volonté de mon Sauveur et je me réjouis qu'il fasse les choses avec justice. C'est comme si Miller avait dit qu'ils impriment donc des dessins de moi dans les journaux, qu'ils me ridiculisent dans leurs éditoriaux
qu'il raconte des blagues à mon sujet, qu'il m'attaque même verbalement depuis un millier de chers. Qu'est-ce que cela peut bien me faire si même un seul pécheur, oui, un seul pécheur peut être sauvé, lui pour qui Jésus est mort? Pour moi aujourd'hui, je crois toujours de tout mon cœur que Jésus va bientôt revenir. Mais s'il choisit de ne pas revenir de mon vivant, parce qu'il veut en sauver quelques-uns de plus, eux pour qui il est mort, qu'est-ce que cela peut bien me faire? Tout comme Miléon, je crois que Jésus va faire toutes choses, oui, toutes choses avec justice. Il me semble que nous chantions davantage de chants sous le retour de Jésus quand j'étais enfant. À l'époque, aucun cantique ne pouvait m'émouvoir autant. Les paroles transportantes qui annonçaient, qui annonçaient le retour de Jésus. Oui, chrétiens, mes frères, sonnez le clairon. Oui, c'est Jésus qui revient. Et que la foule chante à l'unisson. Oui, c'est Jésus qui revient. Oui, il revient. Oui, il revient. C'est le Seigneur qui revient. Mon cœur tressaille-t-il toujours d'émotion à l'idée que Jésus revient bientôt? Et comment? Et j'espère pour vous que c'est le cas. Oui, merci. Merci, chère Église, de m'avoir enseigné cette espérance bénie et de m'avoir donné un si bel avenir à espérer. Notre foi dans le proche retour de Christ est-elle toujours bien réelle? Est-elle toujours bien réelle dans nos classes de l'école du sabbat? Est-elle toujours bien réelle dans nos classes de section enfantine? Les jeunes dans nos églises ont-ils toujours ce sentiment d'émotion qui les étreint à l'évocation du retour imminent de Jésus? Je l'espère et j'y crois fermement. Maintenant, voyons la troisième raison. La sainteté du sabbat. Je suis heureux d'avoir grandi à une époque où le sabbat était observé scrupuleusement par les adventistes, du coucher du soleil le vendredi soir au coucher du soleil le samedi soir. Au moment du coucher du soleil le vendredi, notre maison était nettoyée. Nous avions pris un bain. Le repas du sabbat était préparé et nous étions fait prêts à accueillir ces heures bénies du sabbat. Je suis tout de même heureux d'avoir grandi à une époque où l'on enseignait encore l'idée de sainteté des heures du sabbat, qui sont différentes des heures des autres jours de la semaine. Si on peut citer des anecdotes apparemment sans importance pour confirmer cela, ce que j'entends maintenant, c'est qu'un nombre croissant de jeunes adventistes, et oserais-je dire certaines familles, ne voient pas où est le mal d'aller au centre commercial le vendredi soir ou le sabbat après-midi et de manger au restaurant. On voit des courses se faire le sabbat, des marathons, avec des membres de l'Église adventiste. Si la tendance se poursuit, je crains que le sabbat pour les adventistes ne devienne ce qu'est le dimanche pour la majorité des protestants. Quand j'étais jeune, même les chants que j'ai appris ont renforcé ce que mon Église essayait de me faire comprendre. Saint sabbat, jour de repos, richement béni par notre maître, créé par Dieu et divin, mis à part, oui, mis à part pour un temps saint. Oui, le saint repos de sabbat, divinement béni par notre Dieu, il sera pour nous un signe dans toute l'éternité. Comme je l'ai dit, je suis content d'avoir grandi à un moment où l'on mettait beaucoup l'accent sur la sainteté et le caractère sacré du sabbat. Ma vie a été d'autant plus riche du fait d'avoir reconnu la nature toute spéciale de ces 24 heures de temps hebdomadaire. C'est probablement pour cette raison que je suis toujours mal à l'aise, malheureusement, chaque fois que je lis dans l'un de nos bulletins d'église ou bien dans quelques publications de l'église s'adressant spécifiquement à des adventistes que telle ou telle activité aura lieu samedi prochain.
Chaque fibre de mon être veut crier « Non, non !» C'est le Saint Sabbat de Dieu dont on parle là, pas du samedi. Je crains qu'en tant qu'Église, nous ne courions un grave danger, celui de perdre cette conscience du caractère unique et saint du sabbat. Si jamais cela devait arriver, nous aurions véritablement perdu beaucoup. Prenons un temps maintenant pour prier, un temps pour demander à Dieu de pouvoir nous reconsacrer afin de comprendre la sainteté du sabbat. Inclinons la tête. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce jour de repos que tu nous as donné, ce Saint Sabbat. Permets que nous puissions comprendre l'importance de ce jour, afin que nous puissions pleinement nous consacrer en ce jour de repos. Seigneur, que ton Saint-Esprit travaille en chacun d'entre nous, et que chacun puisse comprendre l'importance du sabbat, du vendredi soir coucher du soleil, au samedi soir coucher du soleil. Et que ton Église devienne une Église sanctifiée par ce jour du sabbat, pleinement bénie et en relation plus profonde avec toi. Merci Seigneur pour ce Saint Sabbat. Amen. Maintenant, voyons notre quatrième point. La révérence dans l'Église. Cela peut sembler un peu bizarre de nos jours, mais je suis content que mon Église m'ait enseigné la révérence et le respect dans la maison de Dieu. J'ai déjà entendu l'argument comme quoi que ce qu'on m'a appris était purement culturel et que la culture a changé. Cela se discute, oui. Mais ce que je partage ici sont des raisons pour lesquelles je suis reconnaissant d'avoir été élevé dans l'Église à ce moment-là. Qu'on voit ça comme on le veut, mais je suis content qu'on m'ait appris à ne pas parler fort à l'Église, ou applaudir, ou à faire du bruit. Je suis également content du fait que quand je venais à l'Église, je venais avec mes vêtements de sabbat, tout propre, que je ne portais généralement pas les autres jours. Le fait d'avoir appris cela a été une bénédiction pour moi, parce que jusqu'à aujourd'hui, toutes ces pratiques continuent de me rappeler que le sanctuaire de l'Église est un endroit spécial. C'est la maison de Dieu. Je viens là pour l'adorer, pas pour m'amuser. Oui, j'ai grandi en apprenant que le sanctuaire de l'Église servait à adorer, tandis que l'entrée était l'endroit réservé pour saluer les amis, tandis que la salle commune où les salles annexes de l'école étaient réservées aux activités récréatives. J'ai gardé cette distinction dans mon esprit et cela m'a été utile au fil des années. Je sais encore que quand j'arrive à l'église, je suis là pour adorer. Cela me guide dans la façon dont j'appréhende un événement lié au culte. Grâce à ce que l'on m'a enseigné, je ne considère pas l'Église comme un club associatif destiné à répondre aux besoins de ce que certains appellent de nos jours les adventistes culturels ou les réchauffeurs de bancs. Je viens plutôt pour adorer Dieu, mon Sauveur et mon ami. Grâce à cela, ma vie a été d'autant plus riche. Et dans ce cas-là également, c'est par la musique que mon Église a renforcé son enseignement. Mon Église m'a appris à chanter. Oui, silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Maintenant, voyons le cinquième point, le service baptismal. Comme tout le monde, je me réjouis de l'expansion de notre Église en termes de croissance du nombre de membres. Mais je ne peux m'empêcher d'éprouver un peu de nostalgie
en repensant au baptême que nous avions dans nos églises, dans notre église quand j'étais enfant. Encore aujourd'hui, de doux souvenirs me reviennent. Le baptême n'était pas calé entre la collecte et le cantique de méditation. Juste avant la prédication, dans mon enfance, les baptêmes prenaient autant de temps que c'était nécessaire. Le Saint-Esprit n'était jamais bousculé, en particulier dans de telles occasions. Qu'il s'agissait d'un ou deux baptêmes, ou d'un groupe beaucoup plus important de personnes, suite à une campagne d'évangélisation, le programme était le même. On demandait aux candidats au baptême de s'avancer. On les présentait. On leur demandait s'ils acceptaient Christ comme leur sauveur personnel et s'ils croyaient aux enseignements de l'Église adventiste. Après quoi, on votait leur entrée dans l'Église sous réserve qu'ils soient baptisés. Ensuite, alors que les candidats et le pasteur se retiraient dans des salles annexes pour se préparer, un ancien d'église dirigeait l'assemblée dans un moment de chant. On chantait plusieurs cantiques en attendant que les participants soient prêts. Puis, entre chaque baptême, on chantait une strophe supplémentaire de cantiques, telle que je suis par exemple. Encore aujourd'hui, j'entends le doux clapotis de l'eau aux quatre coins du baptistère après l'immersion du candidat. Et les doux sanglots révérencieux venant de l'assemblée avec des sincères amen. Après la remontée de chaque personne et le souvenir des anciens cantiques que nous chantions en pareille occasion me donne toujours les larmes aux yeux. Tellement cela me fait quelque chose. L'un de ces cantiques que nous chantions de notre église disait « Prenez le monde, mais donnez-moi Jésus. Les joies du monde ne sont qu'apparentes, mais l'amour de Jésus demeure à jamais. » Durant les âges éternels, il ne change pas. Oh, la hauteur et la profondeur de la miséricorde. Oh, la longueur et la largeur de cet amour. Oh, la plénitude de la rédemption. Promesse de l'amour infini d'en haut. Oui, tous ces cantiques m'ont bercé. Maintenant, voyons le sixième point. L'importance de la santé et de la tempérance. Lors des repas en commun, ou d'autres événements d'église auxquels j'ai assisté, on ne servait jamais en rien qui contenait de la viande, du poivre ou de la moutarde. Et l'on ne servait pas non plus de boissons alcoolisées lors des mariages adventistes. C'est certain. Et dans cette famille, on apprend à ne pas manger entre les repas. Certains considèrent aujourd'hui que tout cela est légaliste ou du moins dépassé. Mais je veux remercier mon Église de m'avoir enseigné que mon corps est le temple de Dieu et que par conséquent, la façon dont je le traite est importante. Je suis content d'avoir appris que Dieu n'essaie pas simplement de m'accorder quelques années supplémentaires de vie en bonne santé ici-bas. Il essaie de me préparer pour une éternité avec lui. Par conséquent, je n'ai jamais été tenté de fumer, de boire de l'alcool ou de prendre de la drogue. En plus de tout cela, on m'a appris la modération dans tout ce que je mangeais. Quelque chose que je ne pratique, certes, pas aussi bien, malheureusement, que je le pourrais. Mais grâce à mon Église, au moins, je comprends l'idée. Je remercie donc mon Église de m'avoir enseigné que mon corps est le temple de Dieu, mais également de m'avoir montré qu'il existe une source fiable dans le domaine de la santé et de la tempérance avec laquelle je peux comparer les affirmations et les tendances actuelles en matière de santé. Grâce à cela, je peux déterminer laquelle adopter et laquelle ignorer. Et oui, oui, mon Église m'a également enseigné un cantique qui a renforcé ses préceptes sur l'importance de la santé et de la tempérance. Être un disciple fidèle, marchant selon Dieu, rejetant tout compromis, c'est cela être un Daniel. Oser être un Daniel. Oser être seul. Oser être un homme ferme. Oser être une femme ferme. Oser le faire savoir. Se battre pour un vrai but, écoutant le commandement de Dieu,
honorer les quelques fidèles. Tous saluent le groupe de Daniel. Osez être un Daniel. Osez rester seul debout. Osez avoir un but ferme. Osez le faire savoir. Prenons le temps maintenant pour prier, pour demander à Dieu son Saint-Esprit, afin que nous soyons de fidèles serviteurs comme Daniel. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous venons humblement à tes pieds. Tu connais le cœur, tu connais nos cœurs. Nous voulons être comme Daniel, fidèles, reconnaissant que ce que tu as mis en place au niveau de la santé, c'est pour notre bien. Que nous puissions nous laisser guider par ton Saint-Esprit dans ce domaine. Et que chaque jour, nous fassions un effort qui nous rapproche plus de l'idéal de la tempérance et de la santé. Nous savons que nous sommes faibles, mais nous savons qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, nous remporterons la victoire. Permets que nous soyons tempérants et fidèles dans le domaine de la santé. Amen. Maintenant, voyons ce septième point. L'identité et le message prophétique de l'adventisme. En grandissant, j'ai appris que les adventistes du septième jour avaient la vérité. Je me rends compte que pour beaucoup aujourd'hui, c'est une notion démodée. Mais franchement, je peux vous le dire ce soir, je suis content d'avoir grandi en croyant à l'identité et au message prophétique de l'Église adventiste du septième jour, y compris au fait que notre Église enseigne et prêche la vérité. On m'a appris que l'histoire de notre mouvement avait été prédite des siècles à l'avance dans Apocalypse 10, que le reste de Dieu pour les temps de la fin est identifié dans Apocalypse 12, et que notre mission prophétique, y compris le message que Dieu veut voir prêcher juste avant le retour de Jésus, nous est donné dans Apocalypse 14. Il est vrai que certains ont pu voir dans cette affirmation un genre d'exclusivité ou quelque chose dont on pouvait se vanter. Mais je ne me souviens pas avoir jamais appris cela. Bien au contraire, j'ai appris que rejoindre l'Église adventiste était à la fois un privilège et une responsabilité solennelle. En fait, l'association des volontaires missionnaires, des MV au départ, maintenant Club des éclaireurs, JA, m'a appris une devise à l'époque, devise qui me stimulait et m'exaltait à la fois. Le message adventiste au monde entier pour cette génération. Dieu comptait sur moi en tant que membre de son peuple du reste pour que je fasse ma part en contribuant à avertir le monde du proche retour du Christ. Voilà bien une idée grandiose sur laquelle un jeune homme pouvait méditer. Et bien entendu, nous chantions aussi des cantiques là-dessus. Je partagerai ma foi avec ceux que je rencontrerai sur le chemin de la vie. Je partagerai ma foi. Nous n'avons plus le temps de tarder. Quand Jésus appellera des volontaires, je me hâterai d'obéir. Je partagerai, oui, je partagerai ma foi chaque jour. Maintenant, voyons ce huitième point, le style de vie adventiste. Je sais que pour certains, je vais peut-être avoir l'air extrême, oui, sur ce point. Néanmoins, je suis reconnaissant d'avoir grandi à une époque où l'Église enseignait de ne pas aller au cinéma, ni de danser, de ne pas écouter de musique populaire, de ne pas lire de romans, de ne pas porter de bijoux, de ne pas jouer aux cartes, de ne pas aller au bowling, de ne pas jouer au billard, ou même de ne pas se prendre de passion pour le sport professionnel. Étions-nous trop rigides alors? Probablement. Est-ce que mon ange gardien me laisserait-il à la porte si je devais m'aventurer dans un cinéma? Bien que jeune, je ne mis pas longtemps à comprendre que plutôt que de me laisser à la porte du cinéma, le Saint-Esprit ou mon ange gardien essayait de me convaincre de ne pas y entrer en faisant impression sur mon cœur. Mais pourquoi suis-je content que mon Église m'ait enseigné de telles choses sur les dangers potentiels de ces modes de vie, entre autres? Parce que pour le reste de ma vie,
je vais toujours prendre le temps de réfléchir avant de décider si prendre part à une activité qui jadis était sur la liste taboue est vraiment le meilleur moyen d'employer mon temps et mon argent. En m'abstenant de lire, de regarder et de faire mon esprit n'est pas encombré de toutes ces choses dont les autres doivent se débarrasser quand ils décident de suivre Jésus. Ces choses que je n'ai jamais appris à faire, j'ai découvert plus tard que je ne devais pas les faire de toute façon et je n'ai pas eu à les désapprendre ensuite. J'espère, dans notre acte de nous défaire de notre supposé passé légaliste, notre Église ne soit pas trop loin dans l'autre extrême en termes de questions de mode de vie, jusqu'à n'avoir plus aucun standard à donner en référence à nos jeunes. Si à mon époque, nous n'avions pas eu ce standard, j'aurais été privé de bien des compréhensions de valeur. Je ne vais pas passer en revue toutes ces questions en une par une, mais que ce soit l'extrême compétition qui règne dans le sport, qui est à l'exact opposé des enseignements du Christ sur la façon de traiter les autres, ou bien les représentations très crues de la sexualité et de la violence sur Internet, sur les chaînes de télévision et au cinéma, sans parler des romans où l'on peut lire, des feuilletons télévisés que nous connaissons si bien, je suis tellement reconnaissant envers mon Église de m'avoir appris à être très prudent au sujet de ce que je laisse entrer dans ma tête. Il y a des endroits où un chrétien adventiste ne peut tout simplement pas se rendre. Et certaines choses qu'on ne peut tout simplement pas faire. Merci, chère Église, de m'avoir appris cela. J'ai parfois dérapé dans ma vie, mais merci d'avoir proposé un idéal élevé en m'apprenant qu'il y a vraiment, oui, vraiment une ligne qu'un chrétien adventiste ne devrait jamais franchir. Ma vie en a été meilleure et mon expérience chrétienne plus riche grâce à ce qui m'a été inculqué. Et je me rappelle aussi de ce chant, de ces paroles, « Être comme Jésus, c'est là mon chant, au foyer et dans la foule, être comme Jésus toute la journée, je veux être comme, oui, je veux être comme Jésus. Je veux être prêt quand Jésus viendra. Les plaisirs de la terre pâlissent pendant que je l'attends. Seigneur, garde-moi jusqu'au retour de Jésus. » Inclinons la tête pour un moment de prière. Oui, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons te suivre. Permets que ton Saint-Esprit travaille en nous, afin que nous puissions te ressembler jour après jour, pas à pas, et que nous puissions toujours chanter ce chant, « Te ressembler, Jésus. » Oui, Seigneur, nous voulons te ressembler chaque jour de notre vie. Amen. Voyons notre avant-dernier point. Le mouvement, oui, le mouvement adventiste dans le monde. Je suis heureux d'avoir grandi dans une église où l'on insistait sur le fait d'atteindre des gens et d'envoyer des missionnaires à l'international. Quand j'étais enfant, je voyais que je faisais partie de quelque chose qui allait bien au-delà de l'église locale où j'étais, où ma famille allait adorer, où les membres d'église allaient adorer chaque sabbat. Par divers moyens, mon église m'a aidé à me souvenir que le mouvement adventiste, c'est bien plus que mon église locale. Il y avait la collecte de fonds pour les pauvres, les nécessiteux, la campagne de collecte annuelle, des kermesses, des éclaireurs auxquels j'assistais année après année, les camp meetings où nous allions avec en famille presque chaque année, et même occasionnellement les congrès de jeunesse ou les sessions de la conférence générale où malheureusement, personnellement, je n'ai pas pu y aller. En effet, quand j'étais jeune, nous nous considérions comme un mouvement, pas simplement comme une église au sens formel. Chaque sabbat, quelqu'un lisait le bulletin des missions pendant l'école du sabbat. Aujourd'hui, le rapport des missions est certes informatif, mais en tant que jeune, cela me faisait du bien de lire le bulletin des missions,
quand on me le demandait, de me donner du mal pour prononcer correctement les noms de personnes et de lieux auxquels mes oreilles ne pouvaient comprendre, auxquels je n'étais pas habitué. Sans aucun doute, nous avons parfois massacré la prononciation, mais nous étions emballés de faire partie d'une église qui apportait le message des trois anges en des lieux reculés, dont la majorité d'entre nous n'aurait jamais, oui, jamais entendu parler autrement. Cela nous donnait une plus large perspective que la plupart des gens de notre quartier. Oui, le Seigneur nous demande de faire partie de ce mouvement. Et maintenant, je partagerai avec vous ce dixième point. Point important pour terminer notre rencontre ce soir. Des cantiques et des refrains clairement adventistes. Je suis heureux que mon église m'ait enseigné, quand j'étais enfant, à chanter des cantiques et des refrains vraiment adventistes. Les chants qu'on m'a appris à l'église, à l'école du sabbat des enfants, au club des éclaireurs, ont renforcé mes croyances. En disant cela, je ne suis pas en train de dénigrer les chants de louange évangélique qui sont populaires aujourd'hui, mais chaque fois que je les entends, beaucoup me frappent par leur côté superficiel. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis heureux d'avoir grandi à une époque où on chantait des cantiques et des refrains qui avaient un contenu théologique ou doctrinal et qui avaient une orientation clairement adventiste. Avec ma candeur d'enfant, il y avait un ou deux chants que nous chantions parfois dont je ne comprenais du tout pas la signification. Pourtant, quelque chose en eux me fascinait. Et l'un d'eux disait, nous vivons, nous demeurons à une époque grandiose et terrible, vive et sublime. Le réveil, oui, le réveil des nations. Enfant, je n'avais pas la moindre idée de ce que cela signifiait. Mais avec le temps, j'ai compris ce que l'Éternel voulait me dire. Je ne vais pas faire la liste de tous les cantiques qui m'ont béni, mais encore aujourd'hui, quand je vaque à mes occupations, je me surprends à en fredonner certains. Pourquoi ces cantiques ont-ils autant d'importance pour moi? Parce qu'ils font partie, oui, partie intégrante de ce que je suis en tant qu'adventiste du septième jour. Ils expriment presque mieux les mots, les sentiments que je peux ressentir. Oui, racontez-moi encore ces merveilleuses paroles de vie. Oui, ces paroles de vérité du Seigneur. Je suis content, oui, content que mon église m'ait appris des cantiques et des hymnes en plus des refrains que j'ai appris. Cela a renforcé mes croyances adventistes. En plus de tout ce que j'ai déjà dit, je pourrais également ajouter rapidement pour terminer quelques éléments supplémentaires. Premièrement, mon devoir de rendre la dîme et de donner des offrandes. L'idée que mes biens ne m'appartiennent pas, mais que Dieu me les a prêtés. Mon église m'a enseigné l'économat, pas seulement pour mon argent, mais également pour mon temps. Le thème du grand conflit, même si je ne parviens pas à expliquer le pourquoi du comment de tout ce qui se passe dans ce monde, je sais qu'il y a une lutte cosmique qui fait rage dans l'univers entre Christ et ses anges d'un côté et Satan et ses anges de l'autre, et que Dieu a un plan pour mettre un terme au problème du péché dans l'univers. Le fait qu'Ellen White était un prophète authentique du Seigneur et que les conseils qu'elle a donnés à travers et les conseils qui a été donnés à travers elle sur toutes sortes de sujets font autorité, y compris la description qu'elle fait des événements des derniers jours qui amèneront au retour du Christ. Quatrièmement, le fait que l'histoire de mon église est importante. Mon manuel scolaire d'école est beaucoup moins important que mon manuel, ma leçon de l'école du sabbat, qui atteste que j'ai appris quelque chose de positif. Cinquièmement, le plus important, mon église m'a appris que non seulement Jésus pardonne mes péchés, mais qu'il donne le pouvoir de les vaincre. J'ai également appris que Jésus prépare un peuple qui vivra avec lui l'éternité durant. J'ai aussi appris que si j'accepte sa robe de justice qui est offerte gratuitement, Jésus m'invite parmi ces saints qui seront sauvés. En bref,
À mes yeux, l'adventisme est la meilleure des choses. On n'a pas besoin de faire des excuses pour cela. Il n'y a pas de regrets à avoir. Après tout, mon Église m'a donné des réponses convaincantes aux vraies questions de la vie. D'où je viens, pourquoi je suis là et où je vais. Pour moi, la meilleure façon de vivre serait de vivre conformément à tout ce que mon Église m'a enseigné à mesure que je grandissais. Mon amour pour lui me pousserait à vouloir lui ressembler dans tout ce que je fais. J'essaierai sincèrement d'aider mon prochain, les plus malheureux de ce monde. J'aimerai et je respecterai ma famille. Je ne ferai que ce qui garderait mon corps en bonne santé. Je serai honnête dans mes affaires. Et à la fin de chaque journée, au moment d'aller me coucher, je demanderai pardon pour mes échecs, sachant que je serai tout de suite pardonné. Et que je me lèverai chaque matin en demandant la grâce et la sagesse pour m'aider à traverser notre journée. En bref, mon Église m'a appris à vivre ma vie pleinement, sans culpabilité, angoisse ou désespoir. Et pour cela, je suis reconnaissant. Veuillez réfléchir à cette question. Si nous écoutons les voix là-dehors, qui exhortent l'Église à abandonner nombre de ses enseignements distinctifs, que donnerons-nous à la prochaine génération pour les remplacer? Quel héritage recevront-ils à la place? Est-ce qu'on peut améliorer ici et maintenant la façon dont nous présentons tout ce que j'ai appris? Bien évidemment. Est-ce que par le passé, des gens ont eu des positions extrêmes sous les enseignements de l'Église? Oui, malheureusement. Mais dans l'ensemble, devrions-nous changer la meilleure offre que Dieu ait jamais conçue pour son peuple? De tout mon cœur, j'espère que non. Pour conclure, et en bref, je dirai que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que j'ai été maltraité, mal informé ou carrément induit en erreur par mon Église. Dans ma façon de voir les choses, le diable a coupé l'herbe sous le pied de certains d'entre nous en nous amenant à investir dans cette fausse image. Quant à moi, je serai éternellement reconnaissant d'avoir grandi à une époque où mon Église énonçait clairement ce qu'elle croyait et ce qu'elle défendait. Avec toutes ces accusations caricaturées que font les critiques aujourd'hui, pas étonnant que grand nombre de nos jeunes ont du mal à accepter l'adventisme. En remuant un tel nuage de poussière, comment peut-on s'attendre à ce qu'ils voient, ce qu'ils pourraient manquer s'ils rejettent ce que l'Église leur offre? Et je vous laisserai avec cette phrase d'Hélène G. White dans le livre « Éducation ». Au niveau de l'introduction, nos idées en matière d'éducation sont trop étroites, sont trop limitées. Il nous faut les élargir et viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse tout l'être entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et à la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. Et quelques pages plus loin, elle ajoute, « L'idéal que Dieu propose à ses enfants dépasse de beaucoup tout ce qu'ils peuvent imaginer de meilleur. Le but à atteindre, c'est l'amour de Dieu, la ressemblance avec Dieu. » Oui, je serai à jamais reconnaissant envers mon Église de m'avoir mis à encourager chacun, à encourager mes frères, à encourager et à vivre ainsi selon les principes de l'Église. C'est envers la messagère du Seigneur de ces derniers jours, envers nos pasteurs, envers mes professeurs, envers mes animateurs de l'école du sabbat, envers les moniteurs qui m'ont encadré durant ma jeunesse, et envers ces membres d'église qui ont atteint un certain âge et qui sont toujours là à m'encourager. Je voudrais leur dire ce soir, merci, merci à mon Église, car leurs paroles, leurs exemples m'ont fait connaître ce mode de vie adventiste, si riche, si enrichissant. Pour avoir fait cela, aucune excuse ne sera jamais nécessaire. Mais si l'on ne m'avait pas exposé tous ces avantages, si jamais on me les avait cachés,
Là, oui, naturellement, on me devrait aujourd'hui des excuses. Merci, chère Église, d'avoir été si clairement adventiste. Amen. Toujours.
tout, tu me